Pourquoi le boc? Le boc parce que ce qui m'a séduit au départ, c'est justement à la Digital School, l'aspect transversal, la transversalité des compétences, des savoir-faire, qui me semble aujourd'hui primordial. Et c'est l'un des principaux freins que j'ai pu rencontrer quand j'étais en entreprise ou en agence ou même à mon compte. C'est justement cette capacité à travailler de manière transversale entre les services. Donc le fait de pouvoir proposer à des étudiants d'avoir cette ouverture sur des métiers qui vont être connexes aux leurs et qui vont leur permettre d'avoir des compétences qui vont être recherchées aussi sur le monde du travail. Alors j'enseigne le web marketing en général, c'est-à-dire que ça peut être des cours sur la stratégie de communication digitale, des cours sur la partie plus e-commerce, des cours sur le référencement, sur l'acquisition de trafic, donc c'est assez vaste. Mais globalement, c'est tout ce qui va toucher au web marketing, de manière à avoir une approche à chaque fois adaptée aux étudiants, bien évidemment, puisque les problématiques qu'ils vont rencontrer dans le cadre de leur approche au digital va être différente. Un secret, c'est plus d'essayer d'être à l'écoute de ce qui les intéresse, de trouver des cas pratiques qui vont leur parler, ou en tout cas de trouver des exemples qui vont leur permettre de se projeter sur les éléments théoriques que je vais leur donner. Ce que je trouve intéressant, en fait, avec les étudiants, c'est que ils sont intéressés. Ils sont curieux et en même temps, je trouve que c'est une génération qui a un rapport au travail, un rapport à la vie en général un peu différent. Et je trouve que la confrontation des différentes générations est extrêmement riche et enrichissante, que ce soit autant pour les étudiants que pour les intervenants. Et je pense qu'un bon intervenant, c'est un intervenant qui peut justement être à l'écoute de ces changements sociétaux qui existent et il faut s'adapter. Le point principal que j'essaie de leur transmettre, c'est la curiosité. Parce qu'aujourd'hui dans le digital, si on n'est pas curieux, si on ne va pas chercher l'information, on est très vite à la ramasse. Concrètement, pour dire les choses crûment, il faut qu'ils soient curieux, il faut qu'ils soient en veille. Et il faut qu'ils aillent chercher l'information parce que rapidement, elle arrêtera de venir à eux s'ils ne font pas ce travail-là. La première qui me vient à l'esprit, là, à l'heure actuelle, c'est de retrouver des étudiants qui peuvent être en fait en alternance dans des entreprises avec des anciens collègues, des anciens DRH avec lesquels j'ai travaillé et finalement, ça crée un lien. Et je pense que justement ce réseau, mais qui est aussi l'ADN du campus, c'est ça qui fait la richesse de l'expérience au BOC pour les étudiants, puisqu'en fait, ces affinités, même si l'étudiant finalement il est extérieur à ce qui a été vécu auparavant, bah, d'une certaine manière, il finit par faire partie de cette histoire.